Et on est en direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Comme vous l'entendez, ce soir, on est en français. Et c'est tout simplement parce que notre invité de ce soir est francophone. Je dis pas française, on va en parler un peu pendant l'interview. Voilà, les francophones pour commencer, après on verra. Donc ce soir, avec qui on va échanger? On va échanger avec une députée européenne, on va échanger avec la députée européenne Caroline Rose. Donc elle appartient au groupe des Verts au Parlement européen, et en France elle appartient au groupe Europe Écologie et Verts, donc ELV. Donc, la gauche de la politique européenne en gros. Elle a 53 ans et elle est députée européenne depuis 2019, donc c'est son tout premier mandat. Elle est membre de la commission du développement régional, de la commission de la pêche, et elle est suppléante en commission du développement. Alors, dans ces commissions parlementaires, sur quoi se spécialise très très bref, après on en parlera plus longuement dans l'interview. Elle travaille principalement sur les questions de protection de la biodiversité marine, la protection des petits pêches, de la petite pêche, comme on dit. Elle travaille aussi beaucoup sur les questions de bien-être animal, évidemment la politique de développement de l'Union européenne et les politiques de cohésion des territoires. Et elle a aussi une petite particularité qui est qu'elle est une des deux députés européens français qui ont été élus en 2019. Sans avoir la nationalité française, parce qu'en fait, Caroline Rose, elle nous en parlait, elle est belge. Donc elle a la nationalité belge pour le moment, et pourtant elle a été élue en France comme députée européenne. Donc c'est un cas un peu particulier, dont on discutera probablement pour l'interview. Mais avant de commencer notre conversation, je vous rappelle les règles du jeu, pour quiconque serait nouveau avec nous ce soir. Donc Madame Rose sera avec nous ce soir pendant une heure à peu près, après quoi... Elle partira, elle ira profiter de sa soirée à Strasbourg, où elle continuera à travailler si elle n'a pas de chance. Moi, je continuerai le stream pendant encore une trentaine de minutes pour faire un petit débrief avec vous de ce que vous avez pensé de l'interview, vous donner des éléments de contexte supplémentaires, et d'une manière générale, échanger un petit peu avec vous sur quelques sujets que vous voudriez que j'évoque. De mon côté, comme d'habitude, j'ai préparé mes questions et j'en ai collecté d'autres via Reddit, via Discord, etc. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions via le chat, c'est là pour ça. Je garderai un œil dessus et je piocherai dans vos suggestions. Alors évidemment, on est en live sur Twitch, sur YouTube et sur Twitter, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, YouTube et Twitch sans problème. Si vous êtes sur Twitter et vous voulez poser des questions, vous cliquez sur le lien pour aller sur Twitch et vous pouvez poser votre question ou sur YouTube, et vous pouvez poser votre question par là. Mais voilà, donc du coup, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, on est là pour ça, il n'y a pas de moment spécifique pour les questions, c'est quand vous avez une question qui vient, allez-y, et moi je réagirai. Mais comme d'habitude, faites ça dans la bonne humeur et sans spammer. Donc le but de ces interviews, c'est de vous aider à mieux comprendre qui sont déjà vos représentants à Bruxelles, ce qu'ils y font, et aussi voir un petit peu, observer un petit peu la diversité politique qui peut exister à Bruxelles, enfin dans la politique européenne, je dis Bruxelles, mais là, cette semaine, les députés sont à Strasbourg, qui diffère un petit peu de la politique française. Comme toujours, on parlera que de politique européenne, donc pas de politique nationale, à moins que ça soit très en rapport avec l'Union européenne. Donc gardez tout ça en tête au moment de poser vos questions, et sur ce, écoutez, je vous propose de nous lancer. Bonsoir Caroline Rose, bienvenue, et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci, merci à vous de m'avoir invité. Mon plaisir, mon plaisir. Alors, vous m'avez entendu faire la petite introduction où j'ai présenté très brièvement qui vous êtes, dans quelle commission vous êtes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que vous voudriez déjà souligner d'entrée de jeu? Non, vous avez parlé de la commission pêche, de la commission ANIT, qui est une commission d'enquête sur le transport des animaux vivants, puisque j'ai une affinité personnelle par rapport au bien-être animal, puisque j'y travaille depuis longtemps. Vous avez parlé de la commission développement et de la commission développement régional. Donc, je pense que vous avez tout dit en ce qui concerne mes commissions. Ok, on a fait les bases et de toute façon, on va creuser tout ça ensuite dans l'heure qui vient. Donc peut-être commençons un petit peu par le début. Sans rentrer déjà dans la question de député de nationalité belge qui est député en France, ça c'est un truc que j'ai envie de parler après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà un peu votre parcours? Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais m'investir en politique et ensuite derrière, comment vous êtes devenu député européenne? C'est quoi votre parcours?
Alors, mon parcours, moi, je suis militante de terrain depuis de nombreuses années où j'allais manifester, que ce soit pour des manifs, pour soutenir, les animaux contre la souffrance animale. J'ai une particularité, c'est que je suis fille de marin, femme de marin et marin embarqué. Donc, j'ai un amour pour la mer qui est, j'ai un rapport avec la mer qui est particulier sur mes plongées, puisque je plonge aussi en apnée pour aller voir les fonds marins. À un moment donné, je me suis dit qu'il y avait une limite au militantisme de terrain et je suis rentrée en politique pour essayer de faire avancer les choses différemment. Donc, ça a été pour défendre mes convictions, continuer justement, mais au niveau de la législation. D'accord, alors maintenant commençons par le. Enchaînons avec le sujet que j'ai commencé déjà à évoquer. Voilà, vous êtes députée européenne, élue en France, mais vous êtes de nationalité belge. Et vous êtes, voilà, comme je l'ai dit, une des deux députées européennes qui sont dans ce cas-là. L'autre cas, c'est votre collègue Renew Sandro Gozi, donc qui est lui italien. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, voilà, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager en France et pas en Belgique déjà pour commencer? Ben parce qu'en fait, j'habite une très belle région qui est. Ben j'habite sur la côte d'Azur, où il y a la mer juste à côté de chez moi. Ça fait partie du fait que j'ai très envie de rester dans le sud de la France. J'habite entre Nice et Cannes, donc j'habite à Villeneuve-Loubet. C'est une région. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans dans cette région et j'ai pas envie de la quitter. J'ai pas demandé ma nationalité française parce que ma mère à l'époque avait demandé la naturalisation. Elle parlait très mal le français puisqu'elle parlait le néerlandais puisque ma mère était flamande et mon père wallon, comme quoi ça marche. On avait un petit peu abandonné le projet. J'avoue qu'aujourd'hui, je voudrais demander ma nationalité française parce que je suis un peu frustrée par le fait que je peux pas donner mon parrainage à Yannick Jadot. J'aurais aimé le faire et là, je peux pas le faire. Je suis en train de faire les formalités pour avoir la nationalité française et puis j'ai le droit de voter pour les maires, pour les européennes, mais je n'ai pas le droit de voter pour les présidentielles ni pour les législatives. Donc, c'est un petit peu frustrant. Voilà pourquoi j'aimerais demander la double nationalité parce que Ouais. je voudrais garder ma nationalité belge aussi. Et alors, du coup, comment ça s'est passé pour, enfin, en interne, donc vous appartenez maintenant à Europe Écologie Les Verts, même si vous n'étiez pas dans ce parti-là à l'époque où vous avez été élu en 2019. Comment ça s'est passé un peu en interne pour dire, pour expliquer, bah ok, écoutez, moi je suis belge, mais j'ai envie d'être élu en France. Est-ce qu'il a fallu que vous fassiez un effort d'explication, ou est-ce que les gens vous ont dit, bah non, vas-y, viens donc dans la bande. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai été intégrée comme une Européenne, hein, de toute façon, résidente en France, mais travaillant dans les institutions européennes. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Et une fois que vous êtes arrivé au Parlement européen, est-ce que c'est quelque chose que. Est-ce que déjà les gens ont conscience ou savent que vous êtes belge et pas française alors que vous êtes élu sur la liste française? Ou pas du tout? Est-ce que vous avez des liens particuliers, je sais pas, avec vos collègues belges, vous leur dites, ah, tiens, on a la même nationalité, comment ça se Alors, passe? un truc qui est assez marrant, c'est que je parle le flamand, mais il y a peu de personnes qui savent que je parle le flamand. Donc, des fois, j'écoute les conversations et j'adore écouter les conversations et les gens, ils ne savent pas que je comprends. Et surtout en commission pêche, j'avoue que des fois, ça me sert sur les Effectivement. discussions. Non, des fois c'est moi qui le dis en fait, en disant mais au fait je suis belge, hein. Ça m'arrive de le dire, mais tout le monde pense que je suis française. Il n'y en a pas beaucoup qui savent que je suis belge. Même des fois au sein de la délégation, je dis au fait oui mais moi je suis belge. Ah oui c'est vrai. Donc non, c'est comme ça. D'accord. Alors, commençons à plonger un petit peu dans le travail parlementaire. Donc, on va commencer par un peu par la commission pêche. Vous me disiez même en introduction que ça aurait dû s'appeler la commission mer. Alors, un de vos engagements, c'est, et vous l'avez mentionné, vous êtes fille de pêcheur, épouse de pêcheur, pardon, excusez-moi, je me paume. Et vous avez mentionné que vous défendez ce que vous appelez la petite pêche. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer c'est quoi la petite pêche, déjà pour commencer, pour savoir qui est-ce qu'on défend dans l'histoire?
Alors, je suis fille de marin et épouse de marin, pas de pêcheur. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et moi-même étais marin embarqué, c'est-à-dire que j'ai ma formation de marin de la marine marchande, où on passe un certain nombre de diplômes, que ce soit sur la problématique des incendies à bord, des avaries, etc., les sauvetages en mer, les nettoyages en hélicoptère aussi, les canots de survie. Bon, ça fait partie des formations de marine marchande. Moi, je défends la petite pêche parce que mon père, à l'époque, avait une relation avec les petits pêcheurs qui était très particulière. J'ai appris comment vivaient les petits pêcheurs, les techniques de pêche les moins destructrices pour les fonds marins. Et puis, je plonge en apnée dans ma région. Et quand je vois les dégâts causés par certaines pratiques de pêche, et puis et les inégalités entre la pêche industrielle et la petite pêche fait que je défends la petite pêche. Je dis pas qu'on n'a pas besoin de la pêche industrielle, mais elles doivent être complémentaires et surtout elles doivent pas creuser un fossé et être inégales. Alors, juste pour te donner un petit peu une idée de. Voilà, moi, je n'ai pas grandi à côté de la mer, je suis pas. J'ai pas de famille j'ai pas de marin dans ma famille, encore que, il faudrait que je creuse. Mais, voilà, pour te donner un petit peu une idée, quand on parle de pêche industrielle, on s'imagine les bateaux-usines qui font la taille de. Qui sont des énormes bateaux. Et est-ce que c'est vraiment ça, la pêche industrielle? C'est que c'est vraiment les bateaux-usines immenses, ou est-ce qu'il y a d'autres types de bateaux où, en fait, on se fait. C'est ça. On peut être dans la pêche industrielle sans être dans des bateaux immenses comme ça qu'on peut voir à la télé ou ailleurs. Alors, on a différents types de bateaux. On a des bateaux usines, en effet, qui font entre 80 et 100 mètres et qui pêchent en une journée l'équivalent de ce que pêche la pêche artisanale en une année. Donc, le rapport, il est là. Après, on a différents types de bateaux. On a des chalutiers. On a des chalutiers qui pêchent au fond et qui raclent le fond des océans, d'où la problématique des chaluts de fond. On a ce que j'appelle la pêche artisanale. C'est des bateaux qui vont entre 6 et 12 mètres et qui vont sur une bande côtière au niveau de la pêche. On a ce qu'on appelle les milles marins. On va dire que une pêche artisanale va naviguer entre 6 et 12 000 marins. D'accord, donc on est que dans la pêche vraiment côtière et pas on n'est pas en haute mer, quoi, ou dans les navires de pêche qui vont dans des expéditions dans d'autres mers et océans très loin de chez nous pour les pêcher. D'accord. Tout à Et fait. du coup, vous avez mentionné aussi les techniques de pêche. Vous disiez, voilà, vous, quand vous faites de la plongée en apnée, vous voyez les dégâts que peuvent causer certains types de pêche. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être préciser un petit peu ce que vous entendez par le type de dégâts qu'on peut voir, ou qui peut être causé éventuellement par certains types de pêche? Alors, si je prends un exemple dans ma région, il y a si c'est la pêche au thon, il y a certains pêcheurs qui pêchent avec des palangres grillées. Alors, la palangre, c'est un fil de pêche, un gros fil nylon avec un certain nombre d'hameçons accrochés à des distances différentes. On va dire que sur une ligne, il y a à peu près 400 hameçons. Cette ligne, elle est déposée en mer et on va récupérer cette ligne 2 jours après. Il y a des thons qui se sont accrochés ou des espadons. On a des chaluts de fond. Les chaluts de fond, c'est un système qui, comme son nom l'indique, hein, va racler le fond pour ramener, je dirais, des Saint-Jacques. Ce qui est justement des espèces un peu plus profondes. Le problème, c'est qu'on racle tous les fonds et on arrache tout ce qu'on appelle les nurseries. Dans ma région, j'ai de la Posidonie. La Posidonie, c'est un petit peu comme une algue qui sert de nurserie aux poissons. On a les juvéniles, donc les bébés qui se retrouvent dans ces Posidonies. Et la problématique du chalut de fond, c'est que quand il passe, ben, il arrache tout. On a un double problème dans ma région, c'est aussi les ancrages de superyachts qui, quand elles déposent l'ancre, arrachent toutes ces posidonies. Et ça aussi, ça fait des dégâts sur les fonds marins. C'est pour ça que je dis, on aurait dû appeler cette commission la commission mer, parce qu'il y a tellement d'objets différents. Il n'y a pas que la pêche, il y a la biodiversité marine, il y a l'exploration minière, il y a tout ça qui fait qu'il faut préserver nos océans. Et du coup, enfin, vous avez mentionné, voilà, le but du jeu, c'est pas d'interdire la pêche industrielle, c'est de permettre, hein, quelque chose de plus équilibré. Donc,
qu'est-ce qui serait pour vous une forme de cohabitation, on va dire, saine entre la pêche artisanale et la pêche industrielle? Alors, en ce moment, je suis en charge d'un rapport d'initiative sur. Alors, pour expliquer, on a ce qu'on appelle en pêche la politique commune de la pêche, la PCP, avec un certain nombre d'articles dans cette PCP qui donne des règles quant au droit de pêcher. Dans cette politique commune de la pêche, on a un article qui s'appelle l'article 17. L'article 17, c'est une répartition des quotas qui soient équitables entre la petite pêche et la pêche industrielle avec des critères sociaux, économiques et environnementaux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on donne énormément de quotas à la pêche industrielle et les petits pêcheurs qui ont des méthodes de pêche moins destructrices pour les fonds marins se retrouvent avec des miettes. Et ça, ça fait partie de ce que j'appelle l'inégalité sociale, environnementale. Et je suis en train de travailler sur le sujet, faire en sorte qu'on ait plus d'équité entre la pêche industrielle et la petite pêche. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler plusieurs reprises en fait, de la question de la pêche et du maire général de la politique de la mer européenne. La semaine dernière, on avait votre collègue Catherine Chabot sur la chaîne, on a eu aussi le président de la commission pêche, Pierre Carlesquin qui est venu sur la chaîne aussi, donc les gens ont déjà entendu parler sur la chaîne de pêche, et un sujet qui était revenu c'était justement cette question des cette politique des quotas européennes, donc le fait que l'Union Européenne définit des quotas de pas des montants de poissons, mais hein, une quantité de poissons qui peut être prélevée dans les océans. Et on nous avait expliqué, en fait, ces quotas, ils ont fonctionné, puisqu'on a pu voir des remontées de l'état des stocks, une régénération des stocks de poissons suite aux politiques européennes. Alors, est-ce que vous pensez que, du coup, vous confirmez que pour vous, voilà, la politique des quotas européennes, qui est, on va dire, la base de la politique commune de la pêche, c'est une politique qui est efficace au fond, ou est-ce que vous pensez que non, en fait, c'est pas vraiment le cas? Alors, l'Union européenne fixe des quotas et ensuite c'est aux États membres de redistribuer les quotas entre la petite pêche et la pêche industrielle. Je dirais qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du thon rouge, on a eu à un moment donné moins de quotas sur le thon rouge, ce qui a permis à l'espèce de pouvoir revenir, je dirais, et se reconstruire. Aujourd'hui, la ressource du thon, elle est bonne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des thoniers senaires qui vont pêcher pendant 3 jours l'équivalent de ce que je pêche en une année, toute la pêche artisanale sur le thon rouge. En fait, c'est ça le problème. La ressource, elle s'est refaite. Donc, au niveau du quota, ça va. Sauf que la redistribution par les États membres, on a vraiment un problème d'équité entre ce qui est distribué à la pêche industrielle et à la petite pêche. Mais du coup, si puisque vous expliquez que cette répartition des quotas de pêche est faite au niveau national, est-ce que dans ce cas-là, c'est pas une question de politique nationale et pas une question européenne, vu que le collégislateur européen a fait son boulot, il a défini le quota, et après derrière c'est la France, c'est les Pays-Bas, etc. qui vont décider derrière comment ils font. Donc comment au niveau européen vous voulez couvrir ça en fait? Disons que au niveau européen, puisque la politique commune de la pêche a cet article 17 qui justement définit une obligation, et je dis bien une obligation parce que c'est pas un doivent, c'est pas un peuvent, c'est un doivent parce qu'on est en train de jouer sur les mots en commission pêche. L'État français doit répartir les quotas équitablement, mais l'Union européenne doit faire en sorte que la politique commune de la pêche soit bien appliquée. Donc l'Union européenne peut procéder à des mesures d'infraction par pays. Et du coup, est-ce que la Commission européenne a déjà tapé sur les doigts de certains États membres pour leur dire, la manière dont vous gérez la PCP, c'est pas top, ou la Commission, pour le moment, a dit, c'est OK de mon point de vue. La France a déjà 2 procédures d'infraction à son encontre, dont une pour la problématique de la répartition du thon rouge. Le tribunal de Montpellier a délibéré l'été dernier, et la France a fait appel à ce délibéré. On va voir ce qui se passe ensuite. D'accord. Alors, au-delà de la question des stocks de poissons, pour parler de manière plus générale de la question de la protection de la biodiversité marine,
qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, en fait? Quels sont les autres leviers européens à utiliser? Alors, au début de mon mandat, j'ai eu un rapport d'initiative qui s'appelait « Plus de poissons dans les mers ». J'avais, sur ce rapport d'initiative, expliqué le fait de ce qu'on a, qui existe actuellement, c'est les aires marines protégées. De mettre des parties, on va dire, de zones, en fait, où... pas les fermer totalement, mais avoir la possibilité d'avoir ces aires marines protégées avec des plans de gestion. Comment expliquer ça ? On avait, par exemple, dans le Var, dans ma région, j'avais été visiter une aire marine protégée à Cap-Roux, où justement, on m'expliquait que il y avait des juvéniles qui revenaient. Le problème de ces aires marines protégées, c'est qu'elles n'ont aucun plan de gestion, aucun contrôle. Donc, sur ce rapport d'initiative, on avait ces 30% d'aires marines protégées, mais avec 10% d'aires marines protégées fortement protégées, pour faire en sorte justement d'avoir des contrôles sur ces aires marines. Quand j'ai visité l'aire marine du Var, pendant ma visite, il y a un chalutier qui est rentré et qui pêchait dedans. D'où l'importance de mettre des VMS pour pouvoir localiser les pêcheurs, à savoir dans quelle zone de pêche sont les pêcheurs. Et le pêcheur, là, en l'occurrence, que vous disiez, voilà, il pêchait dans une zone, il n'était pas censé le faire, il le faisait en toute connaissance de cause, ou c'était, il n'était pas au courant, il ne le savait pas Ça, j'avoue que je me pose la question, parce que bon, je dirais que si vous attrapez un pêcheur, il vous dira, bon, peut-être que je ne le savais pas. Il y en a d'autres qui diront « Ah bah oui, en fait, j'y suis allée, mais je n'avais pas le droit. » Donc j'avoue que ça, je ne le sais pas, et c'est bien dommage que la personne n'ait pas respecté. Bon, il faut vraiment qu'il y ait des plans de gestion, et ça fonctionne, et les pêcheurs sont d'accord avec ça, puisque il faut mettre les pêcheurs autour de la table pour discuter du fait que bah, si on pisse trop dans la ressource, il n'y aura plus de poissons. Qui veut dire plus de poissons, plus de pêcheurs? Alors, et ça, ils en sont conscients. Hein. Et justement, puisqu'on parle de la relation avec, enfin, les échanges avec les pêcheurs eux-mêmes, comment ça se passe? On a toujours un peu l'image, les pêcheurs, dès qu'ils sont pas contents, ils sont un peu rudes, ils vont bloquer les ports et mettre un peu le bordel par moment. Donc, est-ce que, surtout, qui plus est, quand vous pouvez avoir, j'imagine, en tant que vert, des relations qui peuvent être pas nécessairement très... je vais pas dire pas positive, mais vous n'êtes pas nécessairement sur Hurling surtout, donc comment ça se passe, vous, des échanges avec les pêcheurs? Bah personnellement, moi, bon, je rencontre pas mal de pêcheurs, et tout type de pêcheurs, parce qu'en fait, pendant la période du Brexit, j'avais fait Normandie-Bretagne pour justement aller à la rencontre des pêcheurs, savoir quels étaient leurs problèmes par rapport au Brexit. J'ai rencontré des petits pêcheurs qui m'ont expliqué leurs problématiques. J'ai rencontré des pêcheurs industriels qui m'ont aussi expliqué les problématiques. C'est vrai que ma relation avec les petits pêcheurs et la pêche industrielle était un peu différente, mais je suis à l'écoute. Donc, quand j'ai eu mon rapport d'initiative, j'ai écouté aussi la pêche industrielle. Dans ma région, je côtoie aussi beaucoup de pêcheurs. Certains sont bruts de décoffrage, mais c'est pas grave, puisque moi, j'estime qu'on met les pêcheurs autour de la table et puis on peut discuter. Actuellement, on a des problématiques avec l'éolien, puisqu'on parle de parc offshore éolien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un pêcheur qui me dit « oui, j'aimerais discuter, etc. » Bon, la semaine dernière, j'ai pris une heure, j'ai discuté pendant une heure avec les pêcheurs. Je vais aller à leur rencontre, parce que c'est ça dont ils ont besoin, d'aller à leur rencontre, qu'on les écoute, qu'on essaye de trouver des solutions, parce que la problématique, c'est que si on ne parle pas avec les pêcheurs, on ne peut pas savoir... où c'est bien de mettre un parc éolien, où c'est un peu moins bien. Je pense qu'il faut mettre toutes les parties prenantes autour de la table avant de prendre des décisions. Et justement, puisque vous parlez de la question de l'éolien, je n'avais pas prévu ces questions, je rebondis juste sur ce que vous disiez, ce que vous dites. Une des questions justement de l'éolien offshore, c'est que ça pourrait neutraliser d'une part des zones de circulation pour les bateaux, notamment des zones de pêche. Certains disent que ça peut avoir aussi un impact sur la biodiversité. Comment vous, en tant que vert, voilà, votre parti, votre groupe politique est toujours très en faveur des énergies renouvelables dont font partie l'éolien offshore. Donc comment vous approchez cette contradiction, parce que vous êtes, enfin, contradiction, façon de parler, puisque d'un côté, vous
en tant que vert, bah, j'imagine que vous soutenez la question des énergies renouvelables, y compris l'éolien offshore. Et à côté, bah, vous voulez aussi protéger la capacité pour les pêcheurs, petits ou grandes pêches, de pouvoir faire leur métier et de vivre de ce qu'ils font. Donc comment vous faites l'équilibre entre les deux? Comment vous abordez ce sujet? Alors moi, les pêcheurs, ils savent que je préserve la petite pêche, puisque bon, ça a été ma discussion de la semaine dernière. Ce qu'ils proposaient, c'est de faire une réunion et de mettre tout le monde autour de la table, et c'est ce que je proposais aussi. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps d'éolien avec des bornes flottantes, parce que c'est une possibilité aussi, et d'aller sur les futurs parcs offshore, de d'abord discuter avec les pêcheurs, toutes les parties prenantes, de voir sur quelle zone était possible de mettre les parcs éoliens, et ensuite de décider. On ne peut pas aujourd'hui dire on va mettre une zone éolienne à tel endroit sans avoir discuté avec les parties prenantes. Et ils l'ont entendu. Et bon, ça fera partie d'une prochaine visite que j'aurai avec les pêcheurs de Normandie et de Bretagne, justement. Et ça se passe bien. Hein. Tant mieux, tant mieux. Un sujet que vous avez évoqué très brièvement, c'est la question du Brexit, où effectivement la question de la pêche a été un sujet de haut vol jusque dans les dernières heures de la négociation, et aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des grosses tensions, notamment entre la France et le Royaume-Uni. Comment déjà, d'une part, vous avez suivi la question et défendu, comment vous positionnez sur la question de la pêche à l'époque des négociations sur le Brexit, et une fois qu'il y a eu l'accord sur le Brexit, comment vous voyez la situation, les tensions entre la France et le Royaume-Uni sur la question des licences de pêche? Alors, ça a été un sujet qui a été très tendu, puisque la problématique qu'il y a eu en ce qui concerne les licences de pêche, justement, c'était par rapport aux petits bateaux, entre 6 et 12 mètres, et ceux qui pêchaient dans la bande des 6-12 000, parce que, justement, ils n'étaient pas équipés. Ils devaient justifier d'un certain nombre de jours de pêche, qui, malheureusement, il y a certains bateaux qui n'ont pas pu le faire, parce qu'ils n'étaient pas équipés de VMS, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de BMS sur les bateaux. La problématique qu'on a eue, c'est que je ne suis pas convaincue que la France ait répondu aux critères des Anglais à l'époque, parce qu'il y a eu une demande de la part des Anglais. Je ne suis pas convaincue que la France ait répondu à ces problématiques de critères, et on s'est retrouvé à un moment donné dans une situation qui était complètement bloquée, parce que les petits bateaux n'ont pas pu fournir justement ces justifications, alors que il y aurait eu certainement d'autres solutions pour avoir ces licences de pêche, et on n'aurait pas eu de blocus, je pense, si la France avait répondu en temps et en heure. C'est-à-dire que, une des accusations que la France faisait à l'époque vis-à-vis du Royaume-Uni, c'est de dire la majorité des bateaux de pêche qui n'ont pas reçu les licences sont des bateaux français, donc il y a une discrimination des Anglais contre les Français. Donc vous pensez qu'effectivement, on sait que il y a une certaine tendance du gouvernement britannique d'utiliser le sujet pour faire monter la sauce en termes de politique nationale. Ça va toujours bien dans les tabloïds de taper sur les Français, et vice versa, vous me direz. Est-ce que vous pensez que vraiment il y a une volonté de manipulation politique de la part des Anglais, ils ont dit on va utiliser le sujet pour taper sur les Français, ou est-ce que les Français ont pas fait le boulot? Non, je dirais que la pêche a été un gros moyen de pression, ça c'est sûr, de la part des Anglais. La pêche, ça a été le dernier sujet dans les négociations. Ils ont bien gardé la pêche en fin de négociation pour se servir de la pêche, parce que ça allait être un sujet qui était tendu et un sujet qui allait forcément créer des possibilités de blocage. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, la France n'a pas donné toutes les informations à l'Angleterre. Et on a eu un blocus sur des licences de pêche qui se sont retrouvées bloquées. On a fait différents zooms avec la ministre de la Mer pour essayer de débloquer la situation, parce qu'on avait un certain nombre de petits bateaux qui ne pouvaient pas justifier parce qu'ils n'avaient pas de VMS. Et il était anormal que ces bateaux qui pêchaient avant dans ces zones-là étaient en attente, en sachant qu'on avait des pêcheurs qui soit venaient d'acheter un bateau et qui d'un coup ne pouvaient plus aller pêcher dans les eaux britanniques. Ça, c'est une aberration. Il y a un certain nombre de licences qui ont été attribuées.
Je ne sais pas à aujourd'hui combien sont encore en attente, mais il en reste encore en attente. Il y a un monsieur Brexit qui a été nommé par la ministre de la Mer il n'y a pas très longtemps. Mmh. Jacob Rees-Mogg, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, bah, vous l'avez dit, la question de la pêche, c'était vraiment le dernier sujet qui a été réglé, entre guillemets, dans le cadre de l'accord Brexit, et les enjeux politiques étaient élevés. Mais d'un côté, quand on regarde après le poids de la pêche en termes purement économiques, que ce soit au niveau Royaume-Uni ou au niveau européen, quand on regarde ça, c'est peanuts, on peut se dire. Donc pourquoi est-ce qu'on allait mettre tout le Brexit sur un truc qui représente 0,0 quelque chose pour cent du PIB européen, du PIB britannique? C'était pas par rapport aux chiffres. Je pense que c'était un gros moyen de pression parce que quand on voit tous les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, de toute cette partie française, on sait très bien que la France, forcément, elle devait réagir par rapport à ces pêcheurs. On pouvait pas laisser ces pêcheurs à la traîne. Et ça, l'Angleterre le savait. D'accord. Alors, je vais peut-être changer un petit peu de sujet. On a pas mal parlé de pêche. On va toucher un sujet un petit peu lié, la question du bien-être animal. C'est un sujet qui vous a dit qui vous occupait beaucoup. Vous avez fait partie d'une commission d'enquête du Parlement européen sur cette question-là. Donc, peut-être pour commencer, pourquoi est-ce que l'Union européenne s'occupe ou devrait s'occuper de la question du bien-être animal ? Parce que c'est une question pour moi qui est primordiale, hein, puisque quand on voit ce qui se passe au niveau des élevages industriels, des fermes laitières et de toutes les souffrances et des infractions, que ce soit liées au transport des animaux ou tout simplement au bien-être animal, à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on se pose des questions sur notre comportement et notre rapport au vivant. Et du coup, dans le cadre de cette commission d'enquête, alors qu'il n'est pas une commission permanente du Parlement européen, c'est quelque chose qui a été créé pour l'occasion, hein, pour traiter d'un sujet spécifique. Donc du coup, comment le Parlement a abordé le sujet ? Alors, cette commission d'enquête, bon, déjà, c'était une commission d'enquête qui avait été demandée par les Verts à la base. C'est une commission d'enquête qui a duré 18 mois. Donc, on a travaillé pendant 18 mois et c'était sur un thème bien particulier, sur le transport des animaux vivants, tout type de transport d'animaux vivants. Lors de ces 18 mois de travail, on a auditionné un certain nombre d'experts. On a auditionné des vétérinaires, des transporteurs. Différents ministres de gouvernement différents, mais reliés à l'agriculture, puisque bien-être animal, pour voir un petit peu quelles étaient les infractions, ce qui se passait dans les différents pays et dans les industries, dans le transport, pour relever un petit peu tout ce qu'on a constaté comme infraction. Et moi, ce qui m'a, je dirais, le plus interpellé dans cette commission, c'est qu'il y avait le travail en commission parlementaire, mais il y a le travail de terrain que j'ai fait. À cause de la crise du Covid, on a eu malheureusement que 3 missions officielles, une en Bulgarie, une à l'aéroport de Bruxelles et une autre, je crois, en Allemagne. Moi, j'ai participé à celle de Bulgarie. Alors, quand on a une mission officielle, tout est très bien, tout est très beau, on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs, on se demande même s'il y a des animaux qui sont passés par là tellement c'est propre. Mais quand on sait qu'auparavant, j'avais un collègue qui est allé en Bulgarie et qui a vu certaines choses que je n'ai pas vues en mission officielle, moi, j'ai préféré ensuite faire des missions non officielles. Alors, sur les missions non officielles, on s'aperçoit qu'il y a des infractions à répétition sur cette législation. Alors, il faut savoir que sur le transport des animaux, il existe une législation qui date de 2005, donc c'est la législation 1.2005, où on voit qu'il y a des infractions à répétition, que ce soit sur le transport par camion, par bateau. On est confronté à un certain nombre d'infractions qui reviennent et il ne se passe rien. Donc, on a voulu revoir cette législation. Suite à toutes ces constatations qu'on a faites sur le terrain, bon, je pourrais vous citer des exemples, hein, si vous voulez, de missions, pour comment se passe une mission et ce qu'on a vu sur le terrain. On a
ramené toutes ces images au Parlement. On a voté un rapport en commission. Le rapport, il a été voté à l'unanimité. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle des recommandations pour faire en sorte d'expliquer à la commission comment il faut faire pour que le transport aille mieux. Alors, sur les recommandations, malgré le fait que tous les groupes politiques aient vu les mêmes images, se sont rendus compte des infractions à répétition, on a des recommandations qui sont qui ont fait certaines avancées, mais qui pour moi sont encore trop faibles. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler sur le sujet, faire en sorte que sur la révision de la législation 2023, ce soit une priorité de la commission de revoir tous ces textes sur le bien-être animal. Et si vous voulez, je peux vous décrire une mission pour comprendre un petit peu le transport. Bah, justement, ça touche un peu à ce que je voulais poser. Déjà, vous avez dit voilà, comme en mission officielle, tout est était un peu trop propre, vous avez fait des missions un peu non officielles, donc qu'est-ce que vous appeliez une mission non officielle? C'est vous débarquez sur le site de l'usine, bonjour, je suis députée européenne, main sur le mur, je rentre, comment ça se passe? Ah non, ça se passe pas comme ça. Alors, sur une première mission, pendant la période de Pâques, hein, puisque je voulais voir un petit peu ce qui se passait au niveau des agneaux, transport des agneaux, j'ai pris ma voiture, je me suis rendue en Italie sur une route très passante pour aller sur la Croatie. Je me suis rendu compte qu'il y avait... Donc, je suis allée à la rencontre d'ONG hein, qui font des enquêtes de terrain depuis des années. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis sur un parking d'autoroute. Et dès qu'il y avait un camion qui passait devant nous, on suivait avec nos voitures le camion. On doublait un petit peu le camion pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme infraction déjà au niveau du camion. Un exemple sur l'Italie, on s'est rendu compte que sur les camions, on a des tétines d'abreuvement qui sont des c'est une barre en fer en fait où l'animal tète, sauf que c'était des tétines adaptées au porc et les agneaux tètent différemment. Ce qui fait que donc on a appelé la gendarmerie, enfin les carabinieri en Italie, qui sont venus à notre rencontre. Ils se sont postés sur l'autoroute, ils ont doublé le camion, ils ont arrêté le camion sur une sortie d'autoroute, on les a rejoints et on leur a expliqué, parce qu'on avait une vétérinaire avec nous sur cette mission, et on leur a expliqué un petit peu les contrôles. Alors, les carabinieri italiens sont formés à ces contrôles-là, puisque ils ont effectué le contrôle. On a vu que les animaux étaient transportés depuis plus de 36 heures. Quand on est arrivé, ils ont vite ouvert l'eau pour que les animaux boivent, parce qu'ils n'avaient pas bu pendant cette période-là. Et malheureusement, les animaux récupéraient l'eau comme ils pouvaient, mais ils ne pouvaient pas téter. On a certains animaux qui ne bougeaient plus. Donc, ces carabinieri ont appelé le service vétérinaire compétent, qui sont venus voir un petit peu toutes les infractions. Là, en l'occurrence, il y avait une situation d'urgence. Les carabinieri ont décidé de faire repartir le camion parce qu'ils étaient à quelques kilomètres de l'abattoir. Donc, les animaux ont pu malheureusement repartir à l'abattoir, mais ils ont pu repartir. Mais pour moi, à quoi ça sert de faire souffrir pendant 36 heures ces animaux alors qu'on a une alternative, c'est le transport de viande ou de carcasses d'animaux. Et donc ça, c'est sur cette mission-là. Après, j'en ai fait d'autres sur des voies maritimes. Et la semaine dernière, j'étais encore en République tchèque pour des veaux non sevrés. Alors, passons par contre à la question des recommandations. Vous avez dit, voilà, la commission d'enquête a fait des recommandations que vous trouvez un peu faible sur certains points. Alors déjà, est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi ces recommandations et comment est-ce qu'elles ont été accueillies par la Commission européenne? Puisque ça, c'est la Commission européenne derrière qui gère ça. Alors, je dirais que sur les recommandations, nous, on demandait à ce qu'il n'y ait plus de transport d'animaux non sevrés. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a obtenu, puisqu'on a obtenu seulement de pouvoir avoir un nombre d'heures sur le transport d'animaux non sevrés, mais pas l'interdiction totale. On demandait à ce qu'il soit inclus 8 heures de transport pour tout type d'animaux, sur tout type de transport.
Aujourd'hui, ce qu'on a obtenu, c'est 8 heures pour les animaux qui vont à l'abattoir. Le problème, c'est que, par exemple, une vache née en France est transportée par camion et va en ferme d'engraissement à Carthagène, par exemple en Espagne. Une fois que cet animal a été engraissé dans ces fermes d'engraissement, on les réinstalle dans des camions pour être transporté jusqu'à un bateau qui ensuite va faire 15 jours de transport maritime avec une destination par exemple en Arabie Saoudite avec 40 degrés à l'arrivée. D'où l'aberration d'avoir 8 heures pour l'abattoir alors qu'on voit le trajet que fait une vache. Il faudrait que ce soit 8 heures pour tout type de destination. Et c'est faisable ? Donc ça fait... oui, c'est faisable. C'est faisable. Et puis, ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire de l'élevage local, de l'abattage sur place. On a la possibilité d'avoir des abattages, des abattoirs mobiles, puisque ça se fait. Hein. Donc, ça, c'est possible. Et puis, on a eu quand même une avancée sur le texte, c'est le bien-être des poissons. Puisque je suis en commission pêche, le grand oublié du bien-être animal, c'est le poisson. Et on a pu avoir une ligne où il est écrit qu'on intègre tout animal aquatique dans le bien-être animal. Donc, c'est une petite avancée. Donc, c'est vrai qu'on a certaines choses. Et sur les priorités de la commission, quand j'ai fait mon intervention en plénière, il y a la commissaire qui a dit qu'elle en ferait une affaire personnelle, que ce soit une priorité pour elle, le bien-être animal, la révision de la législation en 2023. Donc, c'est pour ça que je continue mes missions non officielles pour justement mettre une pression jusqu'en 2023 et même jusqu'à après, parce que le bien-être animal, pour moi, est une priorité. Et que, enfin, vous avez mentionné que le bien-être animal inclut du poisson. Comment on évalue le bien-être d'un poisson ? Parce qu'autant je vois à peu près comment identifier le bien-être d'un agneau ou d'une vache, mais le bien-être d'un poisson, j'ai du mal à le lire en fait. Eh bien, il m'est arrivé, alors parce que moi je mange plus de viande, mais je mange encore un petit peu de poisson. Désolée du terme, mais je vais au cul du bateau acheter mon poisson. Et un jour, j'ai ce petit pêcheur qui me montre son bon de poisson et qui dit « Ah, tu as vu comme il est frais le poisson ?» Sauf qu'il y avait du poisson qui bougeait encore. Et je l'ai pris un petit peu à part et je lui dis « Mais il n'y a pas quelque chose qui te dérange ?» Il me dit « Quoi ?» Ben, j'ai dit, le poisson, il bouge. Donc, le poisson était en train de mourir tranquillement sur le banc de poisson. Je pense que tout ça, on s'en est pas. Je pense que on se rend compte des souffrances animales quand on voit ce qui se passe dans les abattoirs. Mais au niveau du poisson, pour moi, ça a été le grand oublié. Les poissons qui sont abattus en ferme aquacole. C'est pareil, il y a un procédé d'abattage. Quand on voit qu'on tape sur le poisson pour le tuer, il y en a qui sont encore vivants, qui sont à peine étourdis et qui meurent asphyxiés. D'accord. C'est vrai. Et quand on voit ce qui se passe sur le commerce des ailerons de requin, par exemple, on coupe l'aileron du requin et on rejette le requin en mer et il meurt asphyxié. C'est pas illégal, ça, comme pratique, le fait de prélever comme ça les ailerons de requin et de rejeter le fameux finning Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça fait partie des combats que je mène. Et notamment, il n'y a pas très longtemps, j'ai mené une action sur la préservation du requin Mako aussi, où j'ai fait un petit clin d'œil à la série Le Parlement. Le Parlement, ouais. C'était justement... Bon, voilà, c'est un petit peu, je dirais, tous ces combats que je mène, même sur le bien-être animal. Il y a d'autres sujets sur le bien-être animal. Moi, j'ai un delphinarium dans ma région. Je trouve que un orque n'a rien à faire dans un bassin, à tourner en rond dans un bassin, un dauphin non plus. Un dauphin et un orque, ça doit être en mer et pas dans un bassin en train de faire des petits sauts pour le public. D'accord. Oh non, ça fait sens. Alors, je regarde juste le temps. Alors, ce que je propose, c'est qu'on change de sujet. On va parler un petit peu de politique de développement, si ça ne vous dérange pas. Donc, l'Union européenne, elle est... d'endurance qui ne le savent pas, elle est collectivement le plus grand donateur au monde en matière d'aide au développement. Donc,
tant mieux pour nous. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut de dire, voilà, on est ceux qui donnent le plus d'aide, est-ce que c'est suffisant? On fait notre quota, entre guillemets. Non, parce que, alors, on a une certaine enveloppe sur des fonds qui vont à l'aide humanitaire. Pour moi, les enveloppes aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes puisque on est sur une crise qui est climatique. Si je prends l'exemple de Madagascar, Madagascar n'a jamais autant souffert de la problématique du changement climatique. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on donne à Madagascar pour l'urgence climatique n'est plus suffisant. Parce que Madagascar n'a jamais subi autant de sécheresse. Et puis, on se retrouve avec un problème de déplacés climatiques. On parle de migration, de ces problèmes de migration, mais on n'a jamais eu autant de... On n'aura jamais autant de déplacés climatiques. Et puis... on a un problème de sécurité alimentaire aussi. On a des gens qui se déplacent par rapport au fait que dans leur pays, on signe des accords de pêche. Ça fait un peu le lien entre ma commission pêche et ma commission du développement. La semaine prochaine, je pars au Sénégal par rapport au fait, avec une délégation de la commission pêche. On va parler justement des accords de pêche qu'on signe, nous, Européens, avec le Sénégal. Le problème, c'est qu'on développe, nous, de l'aquaculture intensive parce qu'on parle de notre sécurité alimentaire, mais tout ça, c'est au détriment de la sécurité alimentaire, par exemple, du Sénégal. Si je prends un exemple, l'aquaculture intensive, ce sont des poissons carnivores. Ces carnivores, on les nourrit de farine de poisson. La farine de poisson, elle est faite par des sardinelles. La sardinelle, elle est pêchée en Afrique. Et les peuples africains ont besoin de cette sardinelle puisqu'eux aussi pêchent la sardinelle, sauf qu'on pille leurs ressources. Donc ces gens-là, les jeunes pêcheurs qui arrivent, n'ont plus rien, ne pêchent plus puisque malheureusement les bateaux européens en pêchent beaucoup trop et donc sont amenés à se déplacer. Donc on a un problème de migration. Et tout ça fait que nos aides ne sont absolument pas suffisantes. Et ça n'est qu'un exemple. Alors j'ai une question dans le chat qui... Pour le coup, je ne connais pas la réponse moi-même, donc ça va être intéressant. La question, c'est est-ce que le Parlement européen, il vote juste le budget global de l'aide au développement, donc l'aide européenne pour le développement, ou est-ce que les députés européens sont aussi impliqués dans le choix des projets et des pays qui sont concernés par l'aide au développement? Alors, on a des possibilités de faire des résolutions d'urgence. Ça m'est arrivé pour Haïti. On débloque des fonds d'urgence. On a la possibilité de débloquer des fonds d'urgence. Ça, c'est plus... Sur Haïti, ça a été une résolution d'urgence en commission de développement sur une situation politique. Sur des déblocages de fonds d'urgence, si je prends ma région, la Rouen, avec ce qui s'est passé par exemple sur la tempête Alex, on a des fonds dans la commission développement régional qui sont alloués des fonds de solidarité sur des problématiques bien définies. Là, sur la tempête Alex, on a un fonds de solidarité qui a été débloqué pour aider justement suite à la tempête Alex. Donc, on a la possibilité de faire une résolution d'urgence ou de débloquer des fonds mais c'est pour des voilà aussi. C'est pour des questions très spécifiques du coup c'est pas sur l'enveloppe générale de l'aide au développement, c'est quand il y a une situation exceptionnelle qui arrive, le Parlement européen peut dire bah voilà il faut faire quelque chose et on peut débloquer des fonds dans ce cas-là. Mais voilà, et puis on fait un suivi des instruments d'aide au développement dans des régions spécifiques comme par exemple en Amérique du Sud et en Amérique latine, mais on a un suivi des fonds. Et du coup, globalement, est-ce que l'argent européen en matière d'aide au développement est bien employé? Parce qu'il y a toujours cette idée, voilà, est-ce que quand il y a d'aide au développement, il y a toujours ce débat, bah voilà, est-ce que il y a pas une part de l'argent européen qu'on codonne pour l'aide au développement qui part pour alimenter la corruption ou qui n'arrive jamais à destination, etc. Et ça, c'est un problème qu'on demande et qui est souvent relaté, où on demande, nous, plus de transparence sur l'utilisation des fonds européens. Ça fait partie de ce qu'on rajoute dans les rapports.
On a eu un problème. Alors, c'est pas moi qui avais suivi le rapport sur l'Érythrée, par exemple, mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir comment est utilisé les fonds dans des pays. Vous parliez de corruption en Haïti. On a cette problématique qu'on est en ce moment sur énormément de corruption. On a eu un scandale de corruption en 2018 sur Haïti. Et puis pareil sur les fonds européens, même sur les fonds européens. Pour la pêche, si je prends l'exemple des Seychelles, il y avait eu un accord de pêche des Seychelles qui englobait des fonds sur des infrastructures, notamment c'était sur la construction d'un quai destiné à la pêche artisanale. On a vu que ces fonds ont été utilisés pour un quai, mais que la pêche artisanale n'avait pas accès au quai. C'est D'accord. pour ça qu'on envoie des délégations, qu'on demande plus de transparence, mais c'est vrai qu'on a énormément de mal à savoir comment sont utilisés les fonds entièrement. Et du coup, là, enfin, ça pose aussi une question éthique, parce que on peut dire, bah voilà, si on ne devrait pas envoyer de l'argent dans des zones où il y a de la corruption, parce qu'on alimente entre guillemets le problème, mais en même temps, si on est le seul moyen, la seule entre guillemets bouée de sauvetage pour donner de l'argent à des gens qui ont besoin. Comment est-ce qu'on fait la balance? Est-ce que quelque part, pour aider des gens sur le terrain, faut accepter qu'il y ait de la corruption, ou est-ce que faut avoir un principe, dès qu'il y a de la corruption, on coupe les fonds? Alors, on ne peut pas couper les fonds dès qu'il y a de la corruption parce que on sait que sur Haïti, ils ont besoin d'aide. Maintenant, il faut savoir comment sont utilisés les fonds et on peut mettre une pression pour savoir comment sont utilisés les fonds. Envoyer des délégations sur place, c'est ce qui avait été fait à l'époque pour l'Érythrée sur un problématique d'une construction de route. Et après, on met une pression au gouvernement pour que les fonds soient utilisés à bon escient. Mais c'est vrai que sur la totalité de l'utilisation des fonds, on a vraiment du mal à savoir comment sont utilisés la totalité des fonds et on met la pression à la Commission pour justement demander beaucoup plus de transparence sur l'utilisation des fonds. Et une dernière question sur le sujet. Il y a une dimension géopolitique, hein, dans l'aide au développement, hein, très clairement. Et ce qu'on a pu voir dans les dernières décennies, c'est une forme de concurrence entre ce qui était dans le passé, on peut dire le précaré de l'Union européenne, par exemple, notamment la France, hein, si on parle d'une bonne partie de l'Afrique. Et donc du coup, l'aide au développement était très destinée. Enfin, beaucoup d'aide au développement dans ces pays-là venait de l'Union européenne. Et ensuite, on a vu arriver, bah, de l'aide entre guillemets. Venant de la Chine, par exemple, ou de la Russie, où on voyait ces pays-là disant, voilà, je vais vous donner de l'argent, mais je vais pas vous emmerder avec ce que les Européens vous demandent, avec les questions de démocratie, de transparence, etc. Je vous donne juste le chèque et voilà. Donc comment est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie ça pose un vrai problème, cette concurrence, cette entrée, ce push des Russes, des Chinois, enfin, surtout des Chinois dernièrement, dans ces pays-là, quelle doit être la réaction des Européens? Moi, j'ai un petit peu du mal à me dire, on leur donne un chèque sans rien attendre en retour. Je suis un petit peu sceptique. Oui. voilà. Là, en ce moment, on a un enjeu, c'est l'enjeu du sommet Union européenne et Afrique, où on a justement un gros plan d'investissement de l'Union européenne pour concurrencer. Par exemple, les routes de la soie, la présidente de la Commission, elle parle de 150 milliards d'investissements. Moi, j'ai quand même du mal à me dire la Chine va donner sans contrepartie. Non, non, il y a des contreparties, c'est très clair, mais elles sont Oui. pas, c'est pas le même type de contrepartie qu'est-ce que les Européens peuvent demander. Ouais. Mais oui, effectivement. Je suis assez sceptique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et très brièvement, pour couvrir votre dernière commission, donc la commission Régime, donc la commission pour les régions, en résumant, la France, on va faire un petit peu de franco-français, donc vous êtes européenne française, je pense qu'on peut élargir aussi à la Belgique. La France et la Belgique ne sont pas des pays qui bénéficient aujourd'hui de beaucoup de fonds de cohésion, donc le fonds de cohésion, c'est fonds européens principaux en matière régionale, surtout quand on compare à des pays de l'Est, hein, par exemple à la Pologne. Donc comment est-ce que des pays comme la Belgique ou la France peuvent du coup bénéficier de ces politiques européennes qui maintenant sont surtout à destination des pays de l'Est?
D'accord. On a, alors moi j'ai travaillé sur le FEDER, le Fonds européen de développement, où ben, ce fonds il sert quand même sur les territoires. Si par exemple, moi je vais aux champignons, si, ben oui, et on a l'Interreg aussi, je vais aux champignons et j'ai des petits sentiers où je vois un petit drapeau européen. Ce sentier a été nettoyé grâce au fonds européen. Donc ça, c'est un petit peu des exemples comme ça. On a des projets en région sur justement la possibilité de d'isoler les rénovations énergétiques. C'est des projets qui sont en région et qui fonctionnent via des fonds européens. Et puis sur le fonds de solidarité d'urgence, on a eu bah, les inondations en Belgique, les inondations bah, dans ma vallée, enfin dans ma région, dans la vallée de la Roya. Ce sont des fonds qui ont été débloqués en urgence, et les fonds de solidarité. Et puis on a un fonds qui a été très important et on a pu travailler en urgence dans la commission régie, parce que c'est vrai que on dit toujours oui, pour débloquer des fonds il faut beaucoup de temps. Mais on est capable de le faire sur des situations d'urgence, puisqu'on a développé deux fonds. On a débloqué le CRI et le CRI Plus, c'est le nom de ces deux fonds, qui ont servi à acheter des masques, à fournir des bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux. Et ça fait partie aussi de la commission de développement régional, où on a pu débloquer des fonds d'urgence. Et dernière question sur la commission régie. Alors quelque chose qu'on voyait souvent, c'était voilà, quand il y a des fonds européens, normalement on est effectivement, comme vous le disiez, censé mettre le petit drapeau européen financé par le FEDER, etc. Et on a vu un certain nombre d'exemples où il y avait eu un oubli de mettre le drapeau européen. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, ou est-ce que on voit dans les régions que c'est un peu plus sérieux maintenant? Moi, j'en vois de plus en plus. Alors, je m'amuse maintenant à dire ah bah tiens, ça c'est l'Europe, parce que en fait, je m'amuse à faire ça parce que au début de mon mandat, en allant à la rencontre des citoyens quand j'étais en campagne, il y a des gens, j'entendais dire oui, enfin ça sert à quoi un député européen, mais à quoi sert l'Europe? Et j'avoue que tout ça, on a besoin de l'expliquer, parce que aujourd'hui, je dis bah voilà, ça a servi à ça, ce fonds-là, il a servi à ça. Mais en fait, on fait dans la commission développement régional, on fait le lien avec les territoires, justement. Et ça, il faut que les gens, ils en soient conscients. D'accord. Alors, je regarde toujours l'heure, donc on va rentrer dans les toutes dernières questions. On va faire un petit peu de la politique fiction. Si vous pouviez, vous claquez des doigts, vous pouvez changer ce que vous voulez dans l'Union européenne, la manière de faire de la politique européenne. Qu'est-ce que vous changez et pourquoi? Oh là là, je changerais tellement de choses que je peux avoir deux choses. Allez-y. Alors, je changerai la législation sur le bien-être animal pour faire en sorte que qu'on n'ait plus d'animaux qui souffrent pour rien. Je ferai en sorte d'arrêter l'élevage intensif et privilégier, j'irai plus sur l'élevage local. Et j'aimerais que les pêcheurs artisans s'en sortent, vivent de leur pêche, parce que leur métier, il est compliqué, il est fatigant. Et j'aimerais voir aujourd'hui des nouvelles générations de petits pêcheurs. D'accord. Et dernière question traditionnelle sur la chaîne, comment vous vous positionnez sur tous les débats sur la question de l'Europe fédérale? Est-ce que vous êtes pour une Europe fédérale, vous êtes contre une Europe fédérale, vous n'avez pas vraiment d'opinion tranchée sur le sujet? Moi, je serais plus sur une Europe équilibrée, puisqu'en fait, sur une Europe de paix, puisqu'en fait, le message de l'Europe, la création de l'Europe, avant tout, c'est un message de paix. Et j'aimerais bien qu'on retrouve un environnement sain et un environnement de paix. Bon, voilà, ça, c'est plus ma position. Donc, pour vous, c'est pas... Tant qu'on arrive à l'objectif, à cet objectif-là, peu importe la forme, entre guillemets, d'un point de vue purement institutionnel. Moi, je défends mes convictions, je veux aller jusqu'au bout de mes convictions et voilà, j'ai ce message de paix et voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, on a fait l'heure, c'était très intéressant, merci à vous encore Caroline Rose d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir, qui plus est après une longue journée à Strasbourg, puisque pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, cette semaine c'est...
session plénière pour les députés européens, donc plutôt intense pour eux. Chat, soyez sûr de remercier Madame Rose pour son temps. Et Madame Rose, bah écoutez, je vous remercie moi à nouveau. J'espère que vous avez apprécié déjà l'exercice. Et éventuellement, bah écoutez, on sera ravis de vous avoir à nouveau dans le futur sur la chaîne si l'occasion s'y prête. Avec plaisir, c'était parfait pour moi. J'ai apprécié les questions, la relation. J'ai trouvé que c'était très convivial. Merci pour tout. C'est parfait, ça veut dire que je fais bien mon boulot. Bonne soirée, Madame Rose. À très bientôt. Chat, restez avec moi. On va commencer le débrief. Bonne soirée. Bonne soirée, Madame Rose. Alors, nous y voilà. Hop, je vais faire mes zooms. Bim, bam, boum. Ok, alors dites-moi tout, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est intéressant, pas intéressant? Enfin, j'imagine que c'est intéressant. On a parlé de sujets qu'on ne discute pas d'habitude. Tiens, d'ailleurs, tu m'as un peu surpris, Thomas Derry, quand j'ai vu que t'avais sub. Alors, merci encore pour le sub, mais je pensais avoir désactivé, avoir quitté le programme affilié, donc normalement, je ne suis pas censé avoir les subs, mais je vais creuser, mais quand même, merci pour le sub. faudra que je creuse. Bref. Ah, exactement, c'est des nouveaux sujets. Même si on a déjà eu l'occasion de parler des questions de pêche dans le passé. Paradoxalement, je crois que j'ai pas gardé le compte, j'ai gardé le compte, mais j'ai pas en tête le nombre de députés français que j'ai fait depuis le début de la chaîne, mais je crois que c'est la troisième députée européenne française qui suit sur IG Pêche, après Karl Eskin, Catherine Chabot la semaine dernière, et maintenant Caroline Rose, donc ouais. La pêche est un sujet populaire en France, ce qui est logique, hein. Si vous regardez la composition de la commission pêche, vous retrouvez évidemment les grands pays de pêche, hein. Donc vous avez beaucoup de Français, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Néerlandais dans ces commissions-là, donc c'est logique qu'il y ait pas mal de... c'est dû au fait que t'avais sub 3 mois en avance. Ah, parce qu'en fait tu l'as pas fait en direct, d'accord, ok. C'est peut-être l'explication, effectivement, dans ce cas-là. Ok, bon. Alors, comme d'habitude, moi, j'ai pris mes 2-3 petites notes. Ce que je vais faire, c'est plutôt que de faire un inventaire à l'après-vert de ce qu'elle a dit, je ne vais pas répéter ce qu'elle a déjà dit. J'ai noté 3-4 sujets qui m'ont semblé intéressant de creuser un petit peu plus avec vous. Et évidemment, bah, écoutez, si vous avez des questions, des sujets, mais bon, on n'a rien à voir avec la pêche, donc vous voulez qu'on discute, allez-y, c'est open bar. Donc, commençons déjà par... restons sur la pêche. La question du Brexit, on a un petit peu discuté avec elle, c'était le fait que politiquement, c'était devenu vraiment... la pêche était un sujet qui était politiquement toxique, hein, dans la négociation sur le Brexit, ça a vraiment été décalé jusqu'à la toute fin des négociations. C'était limite, tout le monde disait, voilà, les Anglais, les Français étaient là, je suis prêt à tout sacrifier pour la pêche. Avec d'un côté les Britanniques qui disaient bah non, tous les poissons qui sont dans les eaux territoriales britanniques, il n'y a que les Britanniques qui peuvent aller pêcher, les Anglais, les Européens ne peuvent pas venir dans nos eaux, c'est à nous. Et de l'autre côté, les Européens qui disent bah non, écoutez les gars, faut partager un petit peu, faut aussi que vous garantissiez une continuité des pratiques de pêche. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de discuter avec Pierre Carleskin de mémoire, où il expliquait que bah, notamment les règles en matière de zone de pêche, enfin les eaux territoriales, ce qui était défini comme étant les eaux territoriales britanniques, c'était un concept qui était apparu après que le Royaume-Uni ait rejoint l'Union Européenne. Et donc du coup, en gros, les Européens les Britanniques se réclamaient d'un concept qui n'existait pas à l'époque où ils n'appartenaient pas à l'Union Européenne. Donc le concept de c'est nos eaux, c'était nos eaux, ça a toujours été nos eaux, ça ne tenait pas vraiment debout. Mais toujours est-il que politiquement, ça a été un gros sujet, parce que, c'est des... D'un point de vue économique, même si c'est peanuts, comme on l'a dit, en termes de PIB, hein, en termes de j'ai plus le chiffre exact, hein, mais c'est 0 point quelque chose dans le PIB européen, dans le PIB britannique, c'est quand même des secteurs qui sont... important pour les zones côtières, hein. Il y a des zones côtières qui dépendent entièrement de la pêche, directement ou indirectement. Et aussi, politiquement, bah, c'est des populations qui sont vocales, hein. Le pêcheur peut être brut de décoffrage, comme Mme Rose a dit, et donc du coup, c'est politiquement visible quand les pêcheurs sont pas contents et qu'ils viennent bloquer les ports. Ça on l'a déjà pu le voir à pas mal de reprises, donc évidemment, d'où la tension... politique sur le sujet, le fait que ça soit devenu
C'était un sujet symbolique qui dépassait complètement sa dimension économique pure et dure. Mais le sujet a empoisonné tout le long des négociations. Elle avait de superbes expressions. Oui, c'est vrai, effectivement. Brut de décoffrage, ça je connaissais quand même, même si j'aurais dû l'utiliser d'ailleurs, celle-là. Bref. Mais effectivement, elle avait des bonnes expressions. Elle n'a pas utilisé l'expression belge, d'ailleurs. Presque déçu. Mais toujours, voilà, sur la question du Brexit, ça a empoisonné les négociations jusqu'à la fin. À la fin, il y a eu une espèce de compromis qui a été trouvé, où en fait, les Britanniques ont bien dû accepter... Enfin, tout le monde a un peu lâché du lest, hein, puisque les Britanniques ont dû accepter que les bateaux de pêche qui pêchaient déjà dans leurs eaux avant le Brexit pourraient continuer à pêcher dans le futur pendant un certain nombre d'années, sous certaines conditions. Les Européens ont pu continuer à avoir un accès, mais un accès purement temporaire et pas sur tous les quotas qu'ils avaient avant, donc chacun a dû lâcher un petit peu du lest. Mais les tensions sont montées quand même sur la question des licences de pêche, et notamment pour la petite pêche, puisque, effectivement, dans les îles britanniques, les bateaux de pêche européens devaient du coup demander des licences de pêche en disant voilà, je suis capable de prouver que je pêchais ici avant, donc, par exemple en filant les données GPS, hein, pour dire voilà, mon GPS montre que je pêchais déjà dans cette zone-là bien avant le Brexit, donc il est légitime que je puisse continuer à avoir accès à ça. Et en fait, le problème s'est posé que, pour ce qui est du côté français tout du moins, pour les bateaux de petite pêche, ils n'avaient pas nécessairement ce genre d'instrument, ils n'avaient pas tous les GPS sur leur bateau pour pouvoir prouver le fait qu'ils pêchaient là. Et il y avait eu un flou artistique dans la formulation, dans le traité, hein, logique, hein, c'est toujours très flou, hein, c'est général. Mais du coup, côté français, on dit voilà, c'est juste une question de pouvoir prouver d'une manière ou d'une autre qu'il y avait une continuité, c'est-à-dire qu'ils pêchaient effectivement dans ces eaux-là auparavant, et là où en fait les Britanniques derrière disaient non, on veut des types de données très précises, des données GPS. Et là, c'est là où ça a commencé à coincer et où les tensions sont montées. Alors évidemment, derrière, il y avait de nouveau eu de la politique politicienne tant en France qu'au Royaume-Uni, où chacun avait un intérêt à faire monter la sauce pour des raisons de politique intérieure. Et au final, il y a eu un compromis qui a été trouvé discrètement, où les Britanniques finissaient par lâcher du lest et affiler des licences de pêche au fur et à mesure. Alors même si je ne saurais pas dire si aujourd'hui le sujet est complètement réglé, ça m'étonnerait, mais les Britanniques ont quand même lâché du lest discrètement une fois que la tension politique était retombée. L'autre sujet que j'avais mis choper moi de mon côté, ah oui, les commissions d'enquête. Alors c'est quoi les commissions d'enquête? Donc dans le Parlement européen, vous avez... ce qu'on va appeler les commissions permanentes, hein, commission pêche, commission culture, commission aux affaires juridiques, commission marché intérieur, etc. etc. Donc c'est des commissions qui sont toujours là, je crois que de mémoire il y en a une trentaine, de 30 ou 31 des commissions permanentes au Parlement européen. On peut vérifier sur le site. Hein. Donc c'est des commissions qui restent là, qui sont thématiques et qui resteront du début à la fin du mandat. Et ensuite, il y a des commissions qui sont temporaires, où les députés européens, les groupes parlementaires et ensuite les députés européens peuvent décider. Ils prennent leur temps à sortir les licences de pêche britanniques. J'ai entendu qu'ils saupoudraient, enfin qu'ils sortaient petit à petit, mais que ça avançait. Donc bon, faudra checker. Mais il semblait bien que c'était plus complètement à jour. Enfin, ils n'étaient pas complètement à jour sur leur histoire. Bref, pour revenir sur notre histoire de commission d'enquête, donc les groupes parlementaires et les députés européens peuvent demander, quand il y a un sujet qui s'y prête, à ce qu'il y ait une commission parlementaire exceptionnelle qui soit créée, pour soit traiter d'un sujet très spécifique, ou alors enquêter sur une situation. Par exemple, vous avez une commission parlementaire qui a été créée sur la question du bien-être animal, donc la question du transport des animaux, qui a un mandat très précis, où le Parlement dit, voilà, je crée une commission parlementaire pour faire des recommandations dans les 18 mois sur ce sujet très précis, donc les députés ont un mandat extrêmement précis. Vous avez des commissions parlementaires qui sont un peu plus thématiques, un peu plus générales, par exemple, vous avez une commission sur l'intelligence artificielle, vous avez une commission parlementaire qui a été demandée là, dans les derniers jours, exceptionnelle, sur les... le logiciel Pegasus, l'affaire Pegasus. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Pegasus, c'est quoi? C'est un logiciel espion inventé par une entreprise de sécurité privée israélienne
qui a vendu, qui vendait ça, notamment, dans, qui vend ça à des gouvernements un peu partout dans le monde, officiellement pour des questions de lutte contre le terrorisme, contre la criminalité, etc. Et on a pu voir dans un certain nombre de pays, y compris des pays européens, notamment en Hongrie et en Pologne, où les gouvernements ont acheté les services de ce logiciel Pegasus, et en fait s'en sont servis pour espionner l'opposition. Ce qui évidemment dépasse de loin ce que ces logiciels sont censés faire. Il y avait aussi une histoire, ce qu'il y avait aussi donc l'affaire, c'est que par exemple, pour ce qui concerne les Français, par exemple, on s'était aperçu que le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre de ministres étaient dans des listings dans des bases de données de téléphone qui pouvaient être espionnées par le logiciel. Ce qui évidemment est pas très bien passé. Il y avait eu des rumeurs qui n'a pas été vérifié. L'État a nié ça, mais il y a eu des rumeurs comme quoi le gouvernement français était en négociation avec justement la société israélienne pour acquérir leur service, hein, pour pouvoir utiliser ce logiciel de surveillance. Et les négociations sont tombées à l'eau le jour où il est sorti que Macron, le numéro de Macron était sur la liste de surveillance. Donc évidemment, le gouvernement français l'a pas très bien pris et a mis fin aux négociations avec la société israélienne qui nie tout, dit non, il n'y a rien de mal qui se passe, etc. etc. Mais du coup, il y a une demande des députés européens de créer une commission d'enquête sur ce sujet particulier. À voir si ça va être suivi, parce que les commissions d'enquête, il y a des quotas de mémoire. Je connais pas la procédure exactement, mais je sais que tu peux pas. Enfin, une commission d'enquête, ça s'ouvre pas en claquant des doigts, et ça ne peut avoir qu'un mandat très précis et limité dans le temps. Donc ça, c'est un type de commission auquel les députés peuvent appartenir en parallèle de leur commission parlementaire normale, entre guillemets. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon petit listing? Sur la question de l'aide au développement, on a parlé de la question de la Chine. Ouais, t'es pas d'accord avec moi. Je pense qu'on était d'accord, c'est juste peut-être la manière dont je l'ai formulé, où j'expliquais que, par exemple, la Chine, j'ai dit, faisait des chèques en blanc à un certain nombre de pays africains sans demander les conditionnalités que les Européens demandaient en matière d'aide au développement. Alors, il disait, ouais, non, c'est pas complètement un chèque en blanc, ce qui est vrai. Effectivement, ce qu'on a pu voir au cours des années 80, fin des années 90, et tout au long des années 2000 jusqu'à maintenant, c'est la Chine qui a investi massivement en Afrique. Et justement, son argument vis-à-vis des gouvernements africains, c'est de dire, voilà, moi j'investis chez vous, mais j'irai pas vous demander des conditions de transparence, j'irai pas vous demander des questions de bonne gouvernance, de démocratie, ça c'est des trucs d'Européens, je vais pas vous emmerder avec ça. Moi je vous fais un chèque, on investit chez vous et voilà, on fait du business. Et un certain nombre de pays africains ont été plutôt contents de prendre le cash des Chinois. Sauf que derrière, ils se sont aperçus un peu, et ça rentre aussi dans la question de la nouvelle route de la soie. La nouvelle route de la soie, c'est un projet d'investissement gigantesque de la Chine pour recréer, qu'on appelait évidemment la route de la soie, pour investir, des investissements chinois lourds dans tous les pays du monde pour, entre guillemets, accroître l'influence chinoise dans tous les pays du monde et l'influence économique de la Chine. Et donc l'Afrique a évidemment fait partie de ce push, y compris l'Europe. Hein. Et, si vous êtes dans les pays comme la République tchèque ou la Hongrie, il y a eu des fonds, ou la Grèce, il y a eu beaucoup d'investissements chinois dans ces pays-là. Mais du coup, ce que les pays africains se sont aperçus ces dernières années, c'est qu'en fait, le chèque n'était pas tant en blanc que ça, puisque il n'était pas tant à leur avantage que ce qu'ils pouvaient penser initialement, puisque par exemple, ce qu'ils se sont aperçus, c'est des pratiques où les gouvernements chinois investissaient pour construire un truc. Et en fait, ce que les Chinois faisaient, c'est ils importaient littéralement leur main-d'œuvre. C'est-à-dire que plutôt qu'au lieu d'engager des gens, des Africains du pays en question, pour travailler sur ce projet de construction, en fait, ils faisaient venir des centaines de travailleurs chinois avec leur famille dans le pays africain. Et en fait, ces gens-là, ces Chinois, construisaient le projet financé par l'argent chinois. Et du coup, il y avait
il n'y avait pas vraiment de ruissellement de l'investissement chinois dans la population locale. Et il y avait aussi pas mal de difficultés hein, entre la diaspora chinoise qui ne s'intégrait pas forcément très bien avec la population locale, la question de la manière dont les travailleurs locaux étaient traités par les managers chinois, enfin bref, c'était tout un bordel. Il y a aussi la question, évidemment, quand ils prenaient des prêts, ils s'apercevaient que ils se retrouvaient un peu dans une spirale de l'endettement, c'est-à-dire ils prenaient des gros prêts, après ils s'apercevaient que en fait les taux d'intérêt étaient un peu, ils pouvaient pas tout payer, et du coup ils devaient reprendre un autre prêt à des taux d'intérêt supérieurs, etc. Ils se retrouvaient un peu piégés dans une spirale de l'endettement par la Chine. Et donc du coup ils étaient un peu moins ravis du deal qu'ils avaient fait avec les Chinois. Donc il y a eu un petit changement de mood dans les pays africains sur ça. J'ai mentionné aussi la Russie. La Russie fait un retour en Afrique, on le voit au Mali notamment, mais c'est moins sur la question de l'investissement et plus sur la question de la sécurité géostratégique, puisque notamment ce qui se passe au Mali, c'est Wagner, donc qui est une société militaire privée russe. Qui est entre guillemets le bras armé non officiel du Kremlin, même si le Kremlin nie que Wagner est quelque chose qui existe, où en fait cette société de sécurité privée Wagner est présente au Mali dans un certain nombre de pays d'Afrique pour former les forces de sécurité locales et faire passer la petite musique que au final c'est les Russes qui défendent le mieux les intérêts africains et pas les Européens. Ce qui a amené à des tensions dernièrement, puisque notamment au Mali, où il y a eu un coup d'État, le régime, le nouveau régime donc militaire, évidemment, très proche de Wagner, a demandé du coup aux Européens, et notamment aux Français, de dégager d'ici. Et il y a un article de Petit Côté assez intéressant, il y a quelques semaines, qui montrait aussi que ça se voyait même dans les films. Par exemple, il y a des films produits, je sais plus si c'est en Côte d'Ivoire ou au Mali, enfin ouais, dans les pays africains, où justement ils intègrent le côté les Russes qui viennent en sauveur et aider les Africains à lutter contre les rebelles ou contre les méchants du film. Et en gros, c'était le White Savior maintenant est d'origine russe dans les films africains, donc c'était assez intéressant aussi. Le pendant culturel de ce push des Russes. Et dernier sujet que j'avais sur ma liste, la question des investissements européens en France, où, comme je l'ai dit, effectivement, si on prend d'une manière globale les fonds européens français, les fonds européens FEDER, donc qu'on appelle les fonds de cohésion, donc c'est ce qui va aux régions pour les aider à se développer économiquement, la large majorité de ces fonds aujourd'hui, ils vont dans les pays de l'Est, hein, notamment. En Pologne, hein, la Pologne est de très 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 loin le pays qui bénéficie le plus des fonds européens, ça représente quasiment 3% de leur PIB, et du coup vous avez beaucoup de pays de l'Est qui dépendent de ces fonds-là, ce qui a un impact derrière sur les questions d'état de droit, puisque les Européens essaient la Commission européenne, le Parlement européen et une partie des autres pays européens veulent utiliser l'accès aux fonds européens comme un moyen de faire pression sur des pays comme la Pologne et la Hongrie qui ont pris certaines libertés avec l'état de droit et qui du coup disent attention, si vous ne respectez pas l'état de droit, on va fermer les robinets. Mais bref, pour revenir un peu à un sujet plus franco-français, donc les Français, on touche moins de fonds européens que les autres. Hein, c'est une réalité, mais on d'une part, c'est normal, hein, puisque évidemment, vous prenez une région française, en dehors des dom-toms, c'est pas comparable avec une région en termes de développement économique, avec une région polonaise, une région hongroise, une région tchèque, etc. etc. Donc c'est logique que les régions européennes les plus pauvres sont maintenant à l'Est, et du coup, elles bénéficient de plus de fonds européens en la matière que les régions françaises. Même si après il y a des questions, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que c'est compliqué, puisque en gros il y a une difficulté qui a émergé notamment dans le cas des régions françaises, c'est que il y a des régions très développées, par exemple prenez l'Île-de-France, hein, région très développée qui n'a pas besoin des fonds européens aujourd'hui, donc ils sont devenus suffisamment riches pour devenir autonomes et faire ce qu'ils veulent, mais à côté il y a un certain nombre de régions qui sont en fait dans une espèce d'entre-deux où ils sont
trop riche pour pouvoir bénéficier des fonds européens, mais pas assez riche pour pouvoir être au même niveau que des régions comme l'Île-de-France et autres, et qui du coup en fait sont un peu dans une forme de stagnation où ils sont un peu perdants dans le deal. Donc c'était un des sujets un des enjeux dans la négociation de la nouvelle politique de cohésion, pour justement répondre à ces régions qui sont dans un entre-deux, qui sont à la fois trop riches et pas assez riches. Mais bref, du coup, les fonds européens quand même existent en France, hein, même s'ils font des choses un peu différentes. Donc on voit notamment les financements d'infrastructures, hein, que ce soit des routes, les ronds-points, les conneries comme ça. Si la région est honnête, si la mairie est honnête, normalement vous devriez voir un petit drapeau européen dans un coin disant voilà, ceci a été financé par les fonds FEDER. Ce dont on bénéficie aussi en France, c'est des investissements qui sont aussi financés par le FEDER, des investissements dans des projets innovants, ou en gros dans des pépinières d'entreprise ou des projets plus innovants. Donc c'est des petits investissements un petit peu différents. Il y a aussi toute la question du... la préservation du patrimoine culturel, où il y a aussi un peu de saupoudrage de fonds européens en la matière. Les seules régions françaises qui touchent beaucoup plus de fonds européens, ça va être les régions ultra-périphériques. Hein, vous prenez les DOM-TOM, hein, en gros, eux, par contre, ils continuent à toucher beaucoup de fonds européens parce qu'ils sont évidemment... D'une part, ils ont un statut très particulier, hein, les régions, ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques en jargon européen, donc les DOM-TOM, par exemple, une partie des DOM-TOM en France ont un régime très spécifique en droit européen, qui leur permet de toucher des fonds en plus, et donc du coup, ces régions-là continuent de bénéficier de pas mal de fonds européens pour les aider à se développer économiquement, donc... On n'est pas dans la caricature où tout le fric va à l'Est et les pauvres Français ne touchent rien. Sans rentrer dans les débats sur les bénéfices non comptables que la France tire de son appartenance à l'Union Européenne. Je regarde l'heure. Écoutez, moi, de mon côté, j'ai fait un peu le tour des sujets que j'avais notés. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment. Sinon, je vais commencer ma petite conclusion. Donc je vous laisse une minute, pendant ce temps-là, je bois un verre d'eau, hein, si ça ne vous fait rien. Hop là, verre d'eau bu. Je ne vois pas de commentaires ou de questions, donc je fais ma petite conclusion. Donc, merci d'être venu, déjà. Hein, j'espère que vous avez trouvé l'interview intéressante. La suite du programme pour la semaine, on est sur une semaine très française, hein, je dois le dire, puisque demain, je co-organise un débat en partenariat avec une autre chaîne Twitch, Controverse 2022, sur la question européenne. Ça va être un débat entre des économistes sur... la direction de l'Union Européenne. Donc il y a, en gros, le débat va être entre un économiste un peu critique de l'Union Européenne et de l'autre côté je crois qu'il appartient à un think tank qui est lui plus qui est réformiste mais qui a une vision plutôt positive de l'Union Européenne. Donc on va faire débattre ces deux experts et moi j'interviendrai dans le cadre de l'émission pour leur poser des questions et faire un petit débrief. Donc ça sera demain soir à 20h30 sur la chaîne, hein, c'est sur la chaîne de Controverse, mais je vais hoster aussi, donc vous pouvez regarder ça depuis ici aussi. Donc évidemment, n'hésitez pas à venir et à poser vos questions ou à réagir, hein, moi j'interviendrai surtout en fin d'émission. Et sinon, bah, bien entendu, j'allais passer à la revue de presse, non, avant la revue de presse, je fais un peu de gaming, je joue à Total War. J'attends plus longtemps, donc ça va être ma soirée gaming jeudi soir. Si vous voulez venir vous amuser, taper la discute, humeur générale un peu chill, de jeudi soir, ça sera à 8h du Total War sur le nouveau. Et enfin, dimanche, bah, la revue de presse, comme toutes les semaines, à 18h en français et à 20h en anglais. C'est déjà sorti, ça sort jeudi. Ça sort jeudi, j'ai déjà acheté, hein, j'ai été faible, je l'ai précommandé, il est préinstallé, donc j'attends jeudi soir avec impatience pour pouvoir le tester en direct, hein, ça sera ma première partie, donc vous verrez si je maîtrise ou pas le jeu à sa sortie. Bref,
Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous voir demain ou plus tard dans la semaine, que ce soit jeudi ou dimanche. Et sur ce, bah écoutez, à très vite. Ciao, bonsoir.